mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Life. C'est Germain Kaindo à la présentation. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la Constitution, encore une fois de plus. Ça sera les articles, je crois que nous irons jusqu'à demain et après-demain. Donc, nous allons faire à peu près trois émissions sur cette Constitution. C'est dans les articles 201, 202, 201, 202 et 203. Mais avant d'y aller plus profondément, nous allons suivre les grands titres des journaux qui paraissent sur le net, que nous avons depuis un certain temps dit qu'il faudrait qu'on vous informe sur l'actualité. Suivons ces titres et nous revenons après la lecture de ces titres des journaux. Les journaux qui ont apparu ce matin sur le net, nous avions choisi 4-5 journaux. On commence par élection.net. RDC, Aimé Bonge exige la libération de Vital Kamerhe 120 jours après son incarcération. Tanganyika, la marche des militants de l'INC étouffée par la police. Alors, institution financière, c'est au président de la République de me faire les yeux doux. Ça, c'est Noël Tiani. Et puis, les conditions qui permettent aux francs congolais de retrouver sa valeur face au dollar américain. Vous pouvez lire ça dans élection.net. On passe par actualité CD. La campagne de vulgarisation des codes miniers révisée par et poursuivie ce vendredi. Si on parle toujours de l'UNC Sud Kivu, l'UNC a manifesté à Bukavu pour réclamer la libération de Kamerhe. Toujours actualité CD, l'arrestation du militaire auteur de tuerie des 14 civils à Sangé. Lubumbashi, le parti de Kamerhe considère sa détention comme un règlement de compte. Passe par Congo Profond. Congo Profond parle de Cox Muyangi. Ne pas organiser les élections en 2023, c'est reculer la démocratie. Trois députés provinciaux interdits de manifester dans la gestion des rotations du Nord Kivu. L'Assemblée provinciale accuse le gouverneur Matubonya de détournement de 6 millions de dollars destinés aux travaux du stade de Lumumba. On termine là, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, ça ce sont des articles des journaux qui paraissent sur le net, donc je vous prie si vous avez le temps d'aller un peu plus approfondi. Sinon vous aurez toujours au-dessus ici quelque part où je vous mets les titres en question pour vous informer de l'actualité. Parce que notre émission, nous réfléchissons sur des solutions et sur ces émissions ici, ces trois émissions ici. Nous sommes en train de défendre une cause. Pourquoi nous devons changer la Constitution? Pourquoi nous devons retoucher la Constitution? Parce que la Constitution, c'est la mère. Nous pensons que c'est de là où découlent toutes les solutions. C'est ça le livre d'or que nous avons, où tout le monde doit respecter. Alors ici, lelo bandeko to décidaki que to tange la bino, article 201, Tina 203. Ce qui t'a vu moi tant, toko sala kaka toko suka le loka un article mi balé. Mais nous n'allons pas lire exhaustivement, mais nous allons lire les points essentiels que nous disons que balance ezamakasi. Pourquoi est-ce que Babylone ko olonde zako sala ke ba région zako se développer te. Alors le lo toko loba ki toko tanga la bino ba article oyo ezako sala ke par région, et ça qu'on s'est développé, parce que, effectivement, quand tu regardes tout ce que ma compétence à ma région, comparativement à ma compétence au gouvernement central, gouvernement central, à ça qu'on soit pas biloko et belé, yemoko, donc pouvoir, et ça mingi na pouvoir central, que na ma région. Chaque région, en tout cas, dans les 26 provinces, il n'y a que peut-être 4 ou 5 provinces qui sont côté à Douane. Mais c'est, que cela importe. Mais ce qui se passe aujourd'hui, Mbongo à Douane, région Monakata, Bacha Kata Zoloté, Mbongo à Douane et à Kassindi et Kendana Kinshasa.
mbongo douane ya Aru na frontière ya Soudan et kendaka Kinshasa. Et tout ça ils ont causé kaka cacophonie moko boy de façon que les provinces ne peuvent pas statuer. Regardez le budget des provinces. Na ma compétence au nyosoro ezali awa tozo cité awa. Mbongo siko région utakawapi. Oyo mbongo a région et comme eyaka encore une fois de plus. Na ba mbongo na bazwaka passa basala ba recouvrement. Il faut bâtir 40% à Kinshasa. Malgré les gens qui sont, ils ont démuni le pouvoir Moussoussou à percevoir Bambongo Moussoussou. Oh, ils ont sur leur territoire. En plus de cela, ils doivent envoyer 60% à la recette Bambongo à Kinshasa. Ils doivent faire ça. Ba compétence mouké pour percevoir Bambongo. Et puis, en plus de ma compétence na bango, il faut que soit sur 60% batinda à Kinshasa. Parce que basé la kaka na rétrocession, il y a 40%. Pourquoi? Parce que les salaires, la fonction publique, ba biloko nyonso eza et simbami na gouvernement central. Donc, pratiquement, na modèle oyo, les régions peuvent rester comme ça, bazo kende, ezalaka mingi mingi kaka ba taxe à bazando. Oh, la taxe à la perception, ceux qui ont la balabala, ils n'ont pas droit à construire les routes, ils n'ont pas droit. Donc, comment on a budget dans Bango pour écomata 1 million de dollars ou bien 3, 4 millions, et ça passe. Or, ces régions-là, comment on a la richesse pour les gens dans la région, et ça est belé, ils produisent, comment on a compagnie belé, minéne, minéne, et ça a causé or, toutes ces richesses-là sont là. Mais les régions n'ont pas la main sur ces richesses-là. C'est pour cela que nous disons que ceux qui t'ont changé ma donne, ceux qui t'ont changé ma donne, à Kolobakeno, il faudrait que ma compétence, et ça qui prévu par exemple, beaucoup de compétences, et ça qui prévu, surtout ma perception en Bongo, et ça qui responsabilité, il y a région, enseignement. Tout ça et Babylo Kwananios, il faudrait que les gouverneurs aient le pouvoir de dire que non, awa to produisaka ta sa, oh boy boy boy. Nous sommes par exemple na ba répertorier ba Babylo Kwananios, ba richesse na Kwananios, ba lobi, voici ce que nous pouvons faire avec nos richesses. Tokoki koteka yango boy, parce que ils doivent savoir, il faut bayeba. Mais pour l'instant, la constitution n'a pas oyo et puis ça a été fait pour l'instant. Mais au moment où il y a eu un peu de temps, il faudrait que la compétence soit dans la région. Et la compétence dans la région est peut-être dans le gouvernement central. Et dès lors, ce qui est dans le gouvernement central, comment on a que dans le gouvernement central, au lieu d'avoir par exemple, Toloba. 55 ou 65 ministères dans le gouvernement central, bah, il y a 12, comme en région. Il y a des ministres, ministres provinciaux. Ils ne sont que 12. Il y a des domaines, des compétences, suivant les compétences de la région. Ils ne sont que le gouvernement central n'est composé que de 12 ou 11 ministres. Le gouverneur à Géraka, 12 ou 11 ministres. Imagine-toi, bah les gens, il y a 11 ministres. C'est quoi ma compétence ou la moussou, c'est ça, piézana Kinshasa. C'est ainsi que nous plaidons. Nous avons plaidé que l'Ikambu, oh, il faut congolais total à yango bien. Ceux qui t'ont bandi les lotés, ceux qui t'ont bandi qu'on soit ma décision les lotés à Kolobake, non. Nous devons changer les choses. Babylon, quoi, il faut changer à Kate. Ma compétence, non, sauce, oh, ils ont énuméré la constitution. Et ça, au total, combien? Ici, nous sommes, nous allons... Et ça, belé, et ça, belé. Et ça, dit... Ok, et ça, na combien de compétences? Na 36 compétences. 36e compétence, et ça, na ba, et ça, subdivisé na code de commerce, code pénal, régime, code d'organisation, oh, nyon, surtout. Et ça, na compétence nationale. Donc... Le gouvernement central a joué Kabiloko tout en charge. Or, dans ma mission, autant quand nous avançons, comme nous avançons sur ce terrain ici, beaucoup y a comment
que en région bazalaka na misala pe lisusu te bazana mbongo pe te. Imagine toi par exemple déjà neti par exemple na Équateur bazana ba compétences belete ainsi misala ezalaka te mbongo okomona ndenge village. Parce qu'ils ne peuvent pas réfléchir comment, par exemple, ou bien négocier na batu, yakoya koloba bon, nous nous sommes responsables à forêt oyo. Makambu o bozoya ko kata mababa, banzete na biso, mbongo eza wapi. Vous allez nous donner autant, keba entreprise wana, keba entrepreneur wana, ba multinational wana, zwakaba mbongo, zwakaba kakao, ba efea, na kuna kote kwa te ke mbongo wana ekwe ya nanu na region pour que region aye bakobongisa pour que bango pe bazala na misala. Parce que qu'est-ce que les gens disent aujourd'hui? Oh non, il faudrait d'abord que non to organiser ba région avant que to tient décentralisation. Moi je dis que c'est non. Il faut tout simplement leur donner les responsabilités. Que dorénavant, Moutou, Oya Eko, ça, la business, par exemple, dans la région Nabino, il ne peut pas venir avec un papier de Kinshasa. Non, il faudrait qu'il n'y ait pas Nabino. Aïe, pour négocier, aïe, dans la région, c'est de vous. Bino, il faut vous le délivrer. Vous délivrer, par exemple, autorisation, par exemple, d'exploitation. Tout celui qui veut faire des business en région, il faut qu'il a contacté bah, tu as région, bah, et bah, que non. Ok, tu recevras ah, bah, tout tel. Déjà na base. Moutounoso par exemple, un investisseur qui peut penser que non, a kokiko sala, a kokiko exploiter mine moko na Mwenga. Il faut que le na territoire à Mwenga, a kouta na administrateur, administrateur a pesa e ba condition que ngai mabele na ngai, soko lingi voici a wa valer nango eza boye, nga ko pesa nga ota. C'est lui qui doit être en charge y a qu'on négocie Babylone qu'on a. Donc tout ce que nous sommes en train de vouloir de ce que République Nabiso Ezala, il faut Ezala que base les gouverneurs, les chefs de groupement doivent être impliqués dans la gestion de leurs terres. Donc comment on a un lobby botika la malamu kimia tika la namabota Nabino. Au revoir. Yeah.